Donc maintenant, nous sommes en ligne et donc on attend un peu. J'espère que les participants sont déjà connectés. Alors, il y a des personnes qui commencent à dire bonsoir, donc ça veut dire qu'ils sont en train de se connecter. Et voilà, on ne va pas tarder à commencer. Bonjour. Donc normalement, il y a 16 personnes maintenant connectées. On attend encore 2 minutes et on commence. Bonsoir, bonsoir Béchir, bonsoir Selma. Ok, donc là on va commencer. Alors je souhaite la bienvenue à tout le monde, tous ceux qui sont connectés, présents avec nous. Aujourd'hui on va faire un webinaire qui concerne donc qui parle des thèmes de l'intelligence collective au travail. En fait, nous organisons le 23 février un congrès et puisque le congrès est payant, avant d'espérer recevoir, on aimerait bien donner avant. Donc c'est notre principe et c'est pour ça qu'on organise ce webinaire qui est gratuit. Pour que les gens voient et discutent avec les intervenants, les différents intervenants, et posent leurs questions s'ils veulent, et pour qu'ils comprennent surtout de quoi il s'agira dans le congrès. Donc, je vais commencer par présenter notre première intervenante, Madame Senda Basli. Alors, Madame Senda Basli, elle est experte comptable, formatrice certifiée PNL, elle est enseignante universitaire en Hard and Soft Skills. Senda, à toi la parole. Le micro, hein. Alors, bonsoir Voilà. tout le monde. Donc, nous sommes là pour justement parler
du contenu du congrès qui va y avoir le 23 février sur l'intelligence collective au travail. Et je vais vous parler de mon intervention plus particulièrement. Alors, vu qu'on va parler de l'intelligence en général, il y a plusieurs types d'intelligence. Et donc, du coup, il y a l'intelligence, bien sûr, classique qui est connue, qui est la logico-mathématique qu'on mesure généralement avec le quotient intellectuel classique, quoi. Et bien sûr, il y a l'intelligence après émotionnelle. C'est-à-dire le QI, c'est surtout le côté gauche du cerveau, là, c'est le cortex préfrontal. Donc, c'est le côté logique, causalité et tout ça. Après, dans le côté, au niveau du côté droit, le cerveau limbique et tout ça. Donc, on a commencé, ça fait des années quand même, à parler de l'intelligence émotionnelle et tout ça. Et Madame Sané, par la suite, elle va intervenir sur l'intelligence émotionnelle. Et bien sûr, il y a aussi la théorie des intelligences multiples qui parle des types d'intelligence. Et là, la neuvième, il y en a neuf, au fait, jusqu'à maintenant. Et la neuvième, qui est la plus, disons, un peu mystérieuse, la moins connue, la plus en vogue, c'est l'intelligence spirituelle. Et on parle maintenant du QS. Et tout ça a un lien avec l'intelligence collective au travail. C'est-à-dire, si on veut travailler en groupe, il va falloir générer une énergie de groupe qu'on appelle un peu en anglais mastermind. Donc, une énergie en groupe. Et ça vient d'une approche holistique, en fait, dont Aurélien va parler tout à l'heure aussi. C'est-à-dire une approche globale qu'on va prendre nos corps, l'aspect matière, mais aussi l'aspect émotion, pensée, donc le mind, spirit and body, donc notre corps et notre mental, dans toutes ses composantes et surtout notre partie énergétique. Donc, quand nous parlons de la spiritualité, nous parlons aussi de l'intelligence spirituelle. Nous parlons aussi du développement spirituel et tout ça fait partie au fait, de notre intelligence collective quand on va avoir un travail ensemble. Donc, lors du congrès, ce que je vais faire au début, c'est justement approcher le mieux possible la notion de spiritualité, puisque déjà c'est un domaine qui est assez complexe et qui a beaucoup d'intersections avec plein d'autres domaines déjà. Et donc, pour le définir, il va bien falloir le situer par rapport aux autres sciences, aux autres domaines. Donc, au début, je vais juste introduire la spiritualité et dire c'est quoi. On est dans le monde de la psychoénergie, hein. Donc, il va y avoir beaucoup de psychologie et beaucoup d'énergie dedans. Et donc, on est dans la référence au soi, on est dans la référence au soi par rapport à la référence à l'objet. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépendre de ce qui existe à l'extérieur, mais on va plutôt dépendre de nous-mêmes pour être fort, en fait. L'idée qui est très ancienne, selon laquelle nous, comme a dit, vous connaissez, j'allais le dire, Rumi, comme il a dit, nous sommes la porte, nous avons la porte et nous avons la clé. Tous nos problèmes, nous avons nos problèmes et nous avons nos solutions et les solutions sont à l'intérieur de nous. Voilà, c'est un peu ça. Après, bien sûr, on va faire le lien avec les différents domaines et théories, c'est-à-dire, bien sûr, psychologie positive, parapsychologie. On va parler un peu des phénomènes NDE, les Near Death Experiences, les EMI, comme ça, c'est un peu la parapsychologie. On va parler aussi de Dolores Cannon et l'hypnose régressive quantique. Tout ça, c'est la parapsychologie. Mais on va faire aussi le lien avec la biologie, avec la médecine, l'impact sur le corps. Donc, je vais citer un peu Joe Dispenza, ses recherches et tout ça, pour savoir à quel point, au fait, notre énergie, nos pensées, nos émotions et notre énergie à trois, eh ben, on peut pas prendre ça à la légère. Hein. Ça impacte tout droit nos hormones, notre système immunitaire, notre système de digestion, notre ADN, tout, tout, tout. Donc je vais faire le lien avec la biologie et puis le lien avec la philosophie. Bien sûr, le courant le dieu cosmique d'Einstein ou de Spinoza. Donc, on va faire le lien avec la philosophie et la religiosité cosmique. On va faire le lien avec l'alchimie, avec Hermès Trismégiste, les sciences occultes, les sciences ésotériques. On va faire le lien avec la science de l'énergie, bien sûr. On va parler des chakras. En fait, plein, plein, plein de liens. On va même, bien sûr, je vais bien sûr à la fin, je vais bien sûr expliquer le truc là,
qu'il y a de la confusion entre spiritualité et religion et que ça n'a vraiment rien à voir. Bon, quand même, je vais être très claire sur les deux points qu'il y a en commun, hein, entre religion et spiritualité, qui fait que les gens confondent, en fait, et les deux grands points de divergence qui fait que, finalement, on ne parle pas du tout de la même chose. Et après avoir bien, bien, bien situé le domaine, j'espère, puisqu'il est très difficile à situer réellement, je vais terminer quand même avec l'aspect pratique, comme ça, pour préparer le terrain pour deux choses. Pour qu'après, quand Madame Maline Besbès, elle va intervenir sur ce que... parce que les gens vont venir réellement pour voir le lien avec l'entreprise. Et ça, moi, je vais leur faire l'ouverture de conscience pour que Madame Maline Besbès les prend et leur donne, au fait, le lien pragmatique avec l'entreprise et tout ça. Et bien sûr, je vais les préparer pour les outils pour qu'après, à la fin, quand Madame Soleil, elle va faire la séance de méditation et tout ça, ils ne vont pas faire les exercices sans comprendre de quoi il s'agit. Alors, on va parler, donc, dernière partie des outils, des techniques, des moyens, comment on fait pour pragmatiquement travailler tout ça. Et on va parler des exercices neurologiques, énergétiques. On va parler de la respiration, de la méditation, de comment on fait en pratique les lois universelles, comment on implémente cette philosophie de vie pragmatiquement et comment ça se passe pour vraiment, réellement, c'est-à-dire changer de paradigme. Voilà, ça c'est Monsieur Tohemi. Donc, pour changer de paradigme et passer d'une intelligence, disons, matérialiste que les êtres humains ont atteint maintenant, vers l'intelligence que le monde entier est en train de préparer à atteindre maintenant, plus subtile. On ne va pas devenir irrationnel, mais on se prépare à devenir suprarationnel plutôt. Donc, voilà, donc je vais faire le lien avec tout ça, que les gens comprennent que quand ils font l'exercice, pourquoi ils utilisent l'imagination et visualisation, parce qu'ils ont des neurones miroirs, que ça va impacter le cerveau, et pourquoi on fait beaucoup de kinesthésie, de sentiments, parce que tout ça aussi, et on utilise le langage, la parole, et on utilise la répétition pour programmer le subconscient, pour qu'après, quand ils vont faire les exercices de méditation, ils ne vont pas se dire pourquoi on nous demande de répéter je ne sais pas quoi, ou pourquoi est-ce qu'on doit visualiser. Maintenant, ils savent. Ils savent qu'ils visualisent, ils sentent, ils répètent des choses positives pour reprogrammer leur subconscient et qu'ils ne font pas des exercices sans comprendre. Comme ça, c'est efficace. Voilà. J'ai dépassé 5 minutes. C'est pas grave. Merci, Fenda. Donc, merci pour cette introduction qui a mis toutes les interventions du programme dans le contexte. Maintenant, je voudrais bien passer la parole à Madame Maria Besbes, qui est coach professionnelle, superviseur de coach, enseignante PNL et gérante du cabinet Alliance Coaching et Formation. À toi la parole. Merci de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présent à ce webinaire d'avant-propos, disons, par rapport à ce congrès que nous avons le plaisir de vous offrir le 23. Donc, de mon côté, étant beaucoup plus axée PNL, je vais plutôt apporter la PNL dans l'intelligence collective, faire en sorte tout le temps d'amener un équilibre à la personne entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, aussi bien pour les collaborateurs que pour les leaders. Un leader, généralement, est souvent à la tête, en train de tirer ses collaborateurs. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, nous allons faire en sorte, d'abord pendant l'atelier, pendant la présentation, de donner quelques idées, et après, pendant l'atelier, faire des exercices pratiques pour montrer comment d'abord commencer par soi-même et arriver à un certain équilibre personnel et professionnel pour permettre beaucoup plus facilement après la motivation des collaborateurs. Ça va être un travail sur la hiérarchie des valeurs,
plusieurs collaborateurs ne sont pas motivés parce que quelquefois leurs valeurs personnelles sont en désaccord total avec les valeurs professionnelles et ne voient pas de sens dans ce qu'elles font. En travaillant sur la hiérarchie des valeurs, nous allons faire en sorte de trouver des valeurs communes pour le collaborateur dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle pour pouvoir trouver un sens dans ce qu'il fait, un sens dans son travail et avancer beaucoup plus facilement. Quand la motivation vient de l'intérieur, quand elle est intrinsèque, elle est beaucoup plus percutante, elle est beaucoup plus efficace que quand la motivation vient de, voilà, d'augmentation de primes. Certes, les augmentations et les primes ont leur effet, mais l'impact d'une motivation intérieure, une motivation intrinsèque, trouvée dans le sens de ce que la personne fait, est beaucoup plus importante et plus impactante par rapport au collaborateur. Ça va lui permettre de gagner en énergie, gagner en temps et faire ce qu'il a à faire avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de... Un travail collaboratif beaucoup plus facile. Généralement, nous savons que combien dans les groupes de travail, il peut y avoir des tensions. Quand le leader lui-même a fait un certain travail pour trouver lui-même d'abord du sens, pour pouvoir l'amener après à ses collaborateurs, eh bien, nous allons trouver une énergie différente qui n'est pas seulement basée sur la compréhension de l'équipe ou la synergie de l'équipe, mais c'est beaucoup plus une énergie qui va pousser tout le monde vers l'avant pour des résultats beaucoup plus impactants, beaucoup plus rapides. Ça va être une synergie, en fin de compte, où un et un ne vaut plus deux. Un et un dans ce groupe de travail va être égal à 3, à 4, à 5 et quelquefois même plus. Je vais réserver le reste pour vos questions et surtout pour le découvrir le 23 février. Merci Mariam pour ton intervention. Maintenant, on va passer à Madame Sen El Arbi, qui est coach en développement personnel, formatrice en soft skills. À toi, Séné. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Je vais parler un peu de ce qu'on va voir pendant l'atelier qui a pour thème l'intelligence émotionnelle. Et déjà, mes camarades ont dit beaucoup de ressemblances. C'est vraiment dans le fait que la gestion émotionnelle, elle fait partie de toute cette intelligence collective au travail. En ce qui concerne l'atelier, c'est juste pour commencer à parler du fait que finalement, l'autre n'est que le reflet de soi-même. Et pour que je puisse bien communiquer avec l'autre, je me dois aussi de me connaître et de savoir comment je gère mes émotions pour comprendre l'autre, se mettre à sa place et finalement pour avoir cette belle synergie, que ce soit dans la sphère personnelle, avec mes amis, avec les membres de ma famille et bien sûr aussi dans le domaine du travail. Donc l'idée, c'est aussi de vraiment de focaliser sur le fait que notre comportement externe ne vient pas comme ça, il vient du fait que nous avons déjà une perception du monde dans lequel nous sommes. Donc, si on perçoit le monde comme, par exemple, il n'y a que des obstacles, on va voir que des obstacles. Si on perçoit le monde comme une opportunité, on va voir des opportunités là où elles se trouvent. C'est vraiment l'idée de commencer à se connaître. Et aussi, je rejoins Madame Myriam dans l'idée où je connais mes valeurs, je connais les valeurs de l'entreprise. Aussi, c'est comme si je zoomais mes croyances. Qu'est-ce que je crois? Comment est l'autre? Comment est-ce que moi, je me perçois? Comment l'autre aussi me perçoit? C'est dans cette idée que finalement, il y a des ressemblances entre nous tous.
Donc, chaque comportement, il y a derrière une intention positive. Et c'est vraiment aussi apprendre cette empathie envers l'autre et se dire que c'est vrai qu'il y a une apparence, c'est vrai que je peux savoir des choses sur l'autre. Il y a tellement de choses que je ne peux pas voir. Et là, je vais laisser cette partie-là de me dire, je vais essayer de faire de mon possible pour que moi, je sois bien et que pour l'autre aussi soit bien. Et bien sûr, ça va se repercuter, que ce soit sur ma vie personnelle, sur ma relation avec moi-même aussi, sur ma relation dans ma famille et aussi, bien sûr, dans la sphère professionnelle. Et voilà, ça va être... il y aura aussi de l'interaction, ça va être pratique. Ils vont avoir des astuces à comment gérer l'émotion, à comment se mettre à la place de l'autre. Et ceci pour, bien sûr, accéder à cette intelligence collective. Voilà, je laisse la place aussi pour vos questions à la fin de ce webinaire. Merci. Merci, Séné. Maintenant, on va passer à l'intervention de M. Touhemi Medeni, qui est expert consultant en TIC et mentor pour jeunes entrepreneurs. À toi la parole, Touhemi. Bonsoir. Tout le monde va parler beaucoup d'intelligence. Alors, on va voir la première définition de l'intelligence. C'est la faculté de connaître, de comprendre. C'est une qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. C'est simple. Mais aujourd'hui, personne ne comprend plus rien. Le monde est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Les certitudes sont en train de partir. Et qu'est-ce qui nous arrive ? Hein, les Astérix et Obélix nous diront que le ciel nous tombe sur la tête. Donc, il y a un changement de paradigme. Alors, les définitions de paradigme sont longues, etc. Mais on peut facilement résumer ça. C'est l'ensemble des fondamentaux sur lesquels une société s'organise à un moment donné. Donc, ce changement de paradigme, nous sommes en train de le vivre. Je vais donner quelques exemples parce que le changement de paradigme, il est sur plusieurs niveaux. Je vais parler simplement, après on pourra utiliser les autres, en écologie, qu'est-ce qui se passe au rythme actuel de la consommation des ressources naturelles, il nous faut une planète Terre et trois quarts de planète pour vivre. Donc, on ne pourra pas continuer comme ça. Vous me dites, mais pourquoi vous dites ça? Eh bien, quand la population mondiale de 60 à 2023 passe de 3 milliards à 8 milliards, il faut donner à manger aux gens et les ressources, il faudrait quand même qu'on y regarde de près avant de les consommer n'importe comment. Si je prends les derniers chiffres d'aujourd'hui, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il y a 649 998 hectares de forêt perdus. Et ça continue. Donc, nous sommes en train de passer d'une logique d'abondance à une logique de pénurie et de rareté. Et qu'il faut qu'on s'adapte. Et là, on va parler de toutes les intelligences qu'on doit développer pour pouvoir s'adapter réellement au développement qu'a notre monde et qu'on puisse nous adapter réellement et qu'on puisse... Après, si vous avez des questions, on pourra parler des autres points et de changements qui vont nous toucher. Voilà. Merci, Touhemi. Et donc, on passe maintenant à l'intervention de Aurélien Milo, qui est professeur enseignant, chef d'entreprise, coach et thérapeute. À toi la parole, cher Aurélien. Bonsoir tout le monde. Bah, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et surtout de participer à ce grand événementiel la semaine prochaine. Pour moi, c'est primordial en fait de se poser ces questions qui ne sont pas du tout anodines, qui sont vraiment des questions existentiel pour le futur, si futur il y a, et si futur on souhaite qu'il y ait, et sans être apocalyptique et encore moins oiseau de mauvais augure, mais je pense véritablement qu'on va être invité dans cette période de temps qui est la nôtre, de repenser de notre paradigme, notre manière de vivre. Les prémices ont été faites dernièrement
2020 avec le Covid, Covid de sens. Il y a eu vraiment, au-delà de la crise sanitaire, il y a eu une crise existentielle qui s'est opérée. Parce que les gens ont arrêté de courir comme des dératés et dans leur roue de hamster parfois, pour constater une quadrature du cercle, mais pas nécessairement que dans leur vie, dans leur profession, c'est à l'échelle mondiale, globale. Donc ça, c'est une chose très importante pour moi, et ça, c'est Einstein qui disait déjà à son époque, vous ne pouvez pas changer les problèmes avec le même esprit qui les a créés. Donc il va nous falloir être créatifs. Il faut savoir qu'en 2030, à peu près 70% des emplois n'existent pas encore. Donc ça, c'est intéressant. C'est soit flippant pour certains, et c'est soit excitant, fascinant pour d'autres. J'en fais partie, à savoir que notre société ne me convient pas forcément depuis que je suis relativement jeune, et j'invite vraiment les gens à être le changement qu'ils veulent voir dans le monde, et c'est notamment ce qu'on essaie de faire à travers toutes nos différentes activités. Quand je dis « on », parce qu'il y a toujours un collectif derrière, hein, il n'y a jamais une victoire ou une performance individuelle, c'est ce qu'on verra notamment dans le déroulé la semaine prochaine, c'est très important. Alors, nous, on essaiera de parcourir une vision de qu'est-ce que la réussite, et au-delà, en fait, avec une approche justement de management holistique. Alors, holistique, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est assez simple, c'est une vision globale, d'ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, alors moi je fais beaucoup de parallèles en fait avec la nature. La nature, je suis petit-fils de paysan, et c'est un grand enseignement que la nature, hein, notre vraie nature. On a une société aujourd'hui qui n'est pas organique, qui n'est pas dans le respect en quelque sorte des flux, des cycles cosmiques, etc. Et on essaiera de voir un petit peu comment on peut s'en inspirer pour changer radicalement, parce que on sent que ça ne vibre plus et qu'il y a profondément une crise, je me répète, existentielle. Si vous voulez, cette notion de compréhension à travers la nature, c'est un petit peu comme le schéma. C'est pour ça qu'on dissociera la réussite personnelle et collective, mais qui sont enchevêtrées. Aujourd'hui, on a compartimenté, on a cloisonné, en fait, on a mis dans des petites cases des rubriques, des ensembles, des sous-ensembles, etc. À l'échelle d'une société, d'une entreprise, j'entends, je suis moi-même chef d'entreprise, et également au-delà avec notre société globale. La science, et à l'intérieur de ça, il y a des ramifications, la médecine, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de fils conducteurs. Et ça, c'est toujours ce que j'ai pu déplorer, que je sois passionné de science, passionné de spiritualité, je me suis toujours rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de communication. Et en fait, cette approche holistique, elle ne se cantonne pas du tout uniquement au monde du travail, comme tout à l'heure, vous l'avez mentionné. Un équilibre, une réussite, c'est aussi un équilibre à la fois personnel, collectif, personnel, mais aussi professionnel personnel et professionnel, pardon. Sous-entendu que c'est un équilibre de vie que l'on est invité à recouvrer. C'est une inspiration à changer de cap, probablement, et à savoir d'avoir une inspiration beaucoup plus qualitative que quantitative. Et de définir, bien entendu, ce qu'est la réussite. Alors, on le verra sur deux aspects, c'est-à-dire, en fait, micro et macro. Micro, d'accord, donc à échelle individuelle, puis collective. Et en fait, pour la faire assez simple, quand je dis je m'inspire de la nature, c'est un petit peu ce fonctionnement de la ruche, hein, des abeilles, etc. Même si l'exemple est un peu galvaudé parce qu'elles n'ont pas vraiment d'individualité. Mais ce serait plutôt un petit peu comme une arborescence, d'accord. Une arborescence, vous avez des feuilles, etc. Elles sont indépendantes, elles ont leur vie, etc. Cela étant, elles sont toutes reliées par la même sève. Au-delà de ça, je fais abstraction de la partie ésotérique, c'est-à-dire la partie cachée, à savoir les ressources, les racines. Mais en fait, elles communiquent toutes entre elles. Et la communication, la transmission, c'est ce qui a fait la base de l'individu. Je ne vous apprends rien en tant qu'arabophone. La baraka, c'est justement la bénédiction de l'autre, l'étranger de qui nous rappelle à nous-mêmes, en fait. C'est le principe grec de la dialectique, etc. Donc, on essaiera de voir, pas trop de manière philosophique, on verra vraiment de manière pragmatique, quels sont les moyens, en fait, de se connaître soi-même, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères de Dieu et de l'univers, donc ça c'est la philosophie de Delphes, et puis d'essayer de comprendre ce que l'on est, mais pas ce qu'on voudrait être, c'est-à-dire en fait nos aspirations, nos centres d'intérêt, etc., nos compétences, quelles sont les formations pour y parvenir, etc., etc. Donc c'est tout un schéma, mais au-delà, en fait, de l'aspiration d'une carrière, c'est aussi et surtout, en fait, une aspiration même personnelle, avec plein de techniques, que ce soit la méditation, que ce soit l'auto-hypnose, que ce soit toutes ces techniques qui nous permettent, qui sont au quotidien, des moyens, en fait, de s'émanciper, de se transcender, etc., pour être bien dans ses pompes et, in fine, être bien également dans le groupe.
Et le groupe, en fait, a un effet en fait, de résonance. En fait. Ça, c'est un mot très important qu'on verra dans notre déroulé, c'est cette résonance. En fait, c'est dans la chimie, dans l'hermétisme, ce qui est en haut est comme celui qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a un effet de réciprocité, comme l'effet papillon, et ça, c'est vraiment important de le considérer comme tel. Pourquoi ? Parce que ça nous permettra de comprendre comment fonctionnent les individus, chacun étant unique, et afin de composer avec ça, faire des ensembles, des sous-ensembles, et comment manager aussi les gens. Manager, ça veut dire aussi les ménager, faire en sorte qu'ils s'épanouissent et qu'ils donnent du meilleur d'eux-mêmes, mais pas que pour l'efficacité, la rentabilité, toutes ces choses qu'on nous a vendues à crédit depuis des siècles, depuis la révolution industrielle et encore. Ce sera vraiment de le remettre dans une perspective vraiment de qualité, de vie qualitative, parce que à quoi sert une vie de courir comme un dératif si c'est pour, in fine, ne même pas profiter de ses enfants, de la nature, de toutes ces belles choses que la vie nous offre. Et encore une fois, ce ne sont pas que des élucubrations philosophiques, etc. C'est du concret. Ce sont des choses que nous avons mises en place dans les différentes sociétés que je gère et que j'enseigne également dans les écoles. Je n'ai pas mentionné au niveau de mon parcours, mais je suis aussi responsable d'un orphelinat à Bali, où je vis, et on a créé un nouveau programme depuis 3 ans que l'on transmet pour justement l'émancipation des nouvelles générations, parce que c'est quand même le terreau et les bases du futur. Donc actuellement, le programme est déjà divulgué et il sera disponible dans le futur gratuitement en ligne, et en espérant que ça s'inspire et ça permette de faire son petit bonhomme de chemin. Voilà un petit peu pour cerner le cadre, même s'il n'y aura pas de cadre. Justement, le but sera de think out of the box, comme on dit, parce que les petits carcans, on va essayer de faire des liens. Et d'ailleurs, j'ai vu que Touraya portait un magnifique symbole qui est la fleur de vie, qui pour moi résume on ne peut mieux ce que je suis en train de dire, à savoir que c'est une sorte d'enchevêtrement, d'interconnexion entre le microcosme et le macrocosme. Nous sommes individuellement dans un grand ensemble, ce que les hindous disaient dans les Védantins, on dit « trouve la place qui la tienne dans ce poumon cosmique ». Voilà un petit peu pour cerner ce dont nous parlerons la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup Aurélien, vraiment c'était une belle introduction à ce que tu vas bien détailler pendant le congrès, et merci à vous tous en fait, et vous toutes, pour tout ce que vous avez exposé pour le moment dans ce webinaire. Moi aussi, je vais avoir la casquette d'intervenante dans le congrès. Et en même temps, j'étais l'initiatrice de ce congrès-là. L'idée était un peu dans ma tête depuis un moment. Et j'étais vraiment encouragée par l'organisation de ce congrès. Quand j'ai rencontré les différents intervenants et intervenantes, et puis je suis convaincue que les rencontres ne sont pas par hasard, bien sûr, c'est plus des synchronicités. Donc on dirait que à une date bien précise, on devait se rencontrer. Et j'ai une conviction aussi que si on s'est rencontrés, c'est qu'on a quelque chose à faire ensemble pour le bien de tous et pour notre bien aussi à nous-mêmes. Donc, j'ai voulu organiser ce congrès-là parce que je suis sûre aussi que c'est le premier qui traite de ces thèmes-là, en tout cas en Tunisie. Et par la suite, donc, suite aux propositions des différents intervenants et intervenantes, donc on a pensé que ça serait mieux aussi de le diffuser en ligne. Donc, c'est vrai qu'il est payant, mais pour les Tunisiens, ça va être en présentiel, et pour pour ceux qui ne sont pas résidents en Tunisie, donc, pourquoi pas leur donner l'occasion justement de suivre le congrès à distance. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé à s'organiser petit à petit, donc mais d'une manière vraiment très fluide, avec l'aide de tous les intervenants et intervenantes. Moi, je suis plutôt dans la pratique, donc
dans mon chemin de spirituel, si vous voulez, j'ai toujours été intéressée par les méthodes et les techniques, surtout énergétiques. Donc, et j'ai suivi énormément de formations pour mieux maîtriser ces méthodes-là. Donc, chaque fois qu'il y a une méthode qui m'intéresse, eh bien, je vais jusqu'au bout pour la maîtriser. Et maintenant, j'ai trouvé que ces méthodes-là, vraiment, elles sont très, très bénéfiques parce que c'est bien d'avoir la théorie. Et d'ailleurs, on doit commencer par la théorie pour comprendre les concepts, pour comprendre les choses et les assimiler. Mais sans pratique, on ne pourra pas vraiment avancer ni changer quoi que ce soit. Dans nous-mêmes d'abord, ni pour les autres personnes. Donc, à part le fait que je suis praticienne Reiki, je maîtrise aussi beaucoup d'autres méthodes, mais comme par hasard, c'est des méthodes qui sont toutes énergétiques, donc elles traitent des énergies du corps et de l'univers. Donc, pour mon intervention dans le congrès, je passe à la fin, donc à la fin de la journée, après avoir suivi les ateliers et les interventions par les participants. Je voudrais bien leur exposer d'abord en détail, peut-être que mes camarades vont parler de tout ce qui est centre énergétique du corps humain, mais je vais entrer un peu plus dans le détail avec les centres énergétiques du corps humain. Je vais exposer les principaux centres énergétiques et je vais essayer de lier chaque centre à ses rôles, en fait, pour l'humain et pour l'univers. Et par la suite, donc, je vais terminer par une méditation guidée pour tous les participants qui voudraient bien sûr me suivre, parce que c'est quelque chose de... Donc chacun a son libre arbitre, donc si quelqu'un n'a pas envie ou n'est pas vraiment convaincu pour suivre cette méditation guidée, il a toute la liberté de partir, bien sûr. Donc dans cette méditation guidée, je ne pourrai pas à l'instant présent vous dire de quoi il s'agira, parce que j'ai toujours fait mes méditations guidées complètement spontanées. Donc, je fais très souvent des méditations à mes étudiants le matin quand on commence, avant de commencer le cours. Très souvent, quand je vois qu'ils sont un peu agités et qu'ils n'arrivent pas à se calmer, se concentrer, je leur fais une méditation. Et c'est toujours, ça vient comme ça vient, quoi. C'est selon l'inspiration que j'ai en ce moment-là. Donc, pareil, je pense que je ne vais pas préparer ce que je vais dire dans la méditation. Et moi-même, je serai vraiment intéressée de savoir comment ça va sortir le jour du congrès. Voilà. Donc, comme ça, on a parlé, chacun a parlé un petit peu de ce qu'il va présenter. Je veux bien, donc si personne des intervenants n'a encore une remarque à rajouter, je voudrais bien voir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter d'abord, avant les questions? C'est bon. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'une journée suffira pour leur offrir tout ce que nous avons à offrir? Je crois qu'il va falloir 3 jours. C'est le challenge, hein, de réduire, de synthétiser comme tel autant de choses qu'on aimerait transmettre. Ça va être le plus difficile, je crois. Exactement. Et dans un lieu qui est très agréable, avec les deux pauses café, la matinée, de l'après-midi, aussi le déjeuner, pour qu'on puisse juste papoter ensemble, ça serait bien. J'ai vraiment hâte. Alors, est-ce qu'il y a une question par rapport aux personnes qui sont présentes avec nous?
Elles vont être écrites par chat et c'est Soraya qui va nous les lire. D'accord, très bien. En attendant, je voudrais rajouter quelque chose pour le lien entre l'intelligence collective et l'emploi et les entreprises. Nous remarquons depuis un certain nombre d'années que le nombre d'interlocuteurs qu'a chacun de nous et qu'a l'entreprise évolue très 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 vite et qu'il y a une augmentation d'interaction vertigineuse. Et pour absorber tout ça, nos entreprises doivent devenir, dit-on, plus agiles, plus réactives, plus souples, plus innovantes, plus créatives. Mais est-ce que nos modèles organisationnels sont compatibles avec cette réactivité? Et est-ce que notre intelligence nous permet d'absorber ça et de pouvoir synchroniser tout l'orchestre pour qu'il chante la même symphonie? Et on a besoin d'intelligence. Et pas qu'artificielle. et aussi humaine. Pendant un moment, donc, est-ce qu'une journée suffisait pour tout ça? C'est vrai qu'une journée ne peut pas suffire pour ces thèmes et ces interventions, mais en fait... je pense qu'il faut voir ça d'un autre côté. Dans une journée, on a l'occasion, le participant a l'occasion de voir une panoplie de thèmes différents et deux ateliers différents. Donc, en une seule journée, par la suite, s'il a envie de se concentrer sur un thème bien déterminé, là, il aura vu une explication et une introduction peut-être qui va lui permettre de choisir quel est le thème qu'il voudra travailler plus. Voilà. Alors, pour les questions, j'ai quelques questions. Donc, la première question, comment l'intelligence collective intervient dans l'amélioration de la qualité de vie au travail? Alors, je ne sais pas qui pourra, qui voudra répondre à cette question. Je peux? Oui. Allez. Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui a posé cette question. Alors, au niveau plus, je ne sais pas. plusieurs personnes sont tiraillées un petit peu entre la gestion de leur propre vie, leur vie de famille, leur vie sociale et la vie professionnelle. Que ce soit pour un leader ou pour un collaborateur, développer d'abord son intelligence intrapersonnelle pour pouvoir après développer son intelligence interpersonnelle va lui permettre de vivre en harmonie avec soi-même, en cohérence avec soi et surtout, j'ai dit tout à l'heure, avec ce travail sur la hiérarchie des valeurs pour trouver un sens dans tout ce que nous faisons. D'ailleurs, dans l'atelier, nous travaillerons aussi sur les différentes identités. Quelquefois, les personnes font ce qu'on appelle une confusion identitaire. Elles se comportent professionnellement avec leur identité familiale ou sociale, ce qui ne leur permet pas de réussir professionnellement et qui va plutôt les tirer en arrière. Et donc, c'est ce travail de trouver du sens dans ce qu'on fait, séparer les différentes identités qui va nous permettre de pouvoir avoir plus d'efficacité professionnelle. Et quand je dis efficacité, c'est surtout avec beaucoup moins d'énergie. Comme dit la publicité, petit comme ça, efficace comme ça. Alors, elle dit que c'est une femme. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça, si vous me permettez. C'est aussi le fait que, et c'est vraiment grâce à cette séparation des identités, et un autre mot qu'on peut utiliser aussi, c'est des casquettes.
parce que des fois, je suis une mère, je suis une épouse, et là, je prends les choses personnellement quand je suis en entreprise. Eh bien, c'est de savoir séparer les différents domaines de sa vie et de se dire, quand on est peut-être sous l'emprise d'une colère, où est-ce que je suis, pourquoi je suis là, sous quelle casquette, quel est mon rôle dans cette entreprise, qu'est-ce qui m'est demandé de faire. Et ça, cette séparation, on appelle ça dans la PNL la position méta, c'est pouvoir reculer un peu pour voir la situation globale et se détacher un peu de l'émotion et de se dire, là, je suis, par exemple, je ne sais pas moi, un responsable ressources humaines, je suis le directeur, je suis l'assistante. Et là, je ne vais plus prendre le fait que peut-être mon patron, il a haussé un peu le ton, ou je me dis, mais comment il peut se permettre, ou non, je prends ça personnellement. Non, je me dis, bon, pour le moment, je vais gérer mon émotion, je vais faire en sorte d'être professionnelle, et si ça me dérange vraiment, et si c'est récurrent, je peux aller et parler, par exemple, à mon supérieur hiérarchique et lui dire que j'aimerais bien que nos relations soient un peu plus saines, et on verra aussi comment on peut présenter un feedback, on appelle ça un feedback, où on peut faire une remarque d'une façon qui soit la plus efficace possible pour pouvoir arriver à cet objectif qui est avoir une relation saine au sein de l'entreprise avec les différents collègues. Merci Mariam Essene. En fait, elle a dit que c'est une femme, donc parce que tu as posé la question. Il y a une autre question de... J'avais une petite chose à ajouter, Thorayat, oui, si tu permets. Oui, vas-y. Par rapport à cette question qui est le principe même de tout le congrès, c'est intéressant, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Touami, la définition d'intelligence, parce que c'est les choses que j'essaie de susciter comme intérêt au niveau des étudiants, parce que l'intelligence, on va dire que notre société nous a imposé le fait que quelqu'un dans la finance, à la City de Londres, avec plein d'ordinateurs, des courbes qu'on ne comprend pas trop, etc., est forcément intelligent, mais le pygmée au fin fond de l'Amazonie est forcément dénudé, et alors que le gars de la City ne survivrait pas plus de 3 jours. Donc, c'est quoi la définition de l'intelligence? C'est la capacité d'adaptation. Et n'importe quelle personne sur cette planète est mise sur une île déserte ne serait pas capable de rester, à part les locaux et les dites civilisations primitives, plus d'une semaine. Donc, en quelque sorte, comme disait Einstein, je suis sur les épaules d'un géant. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette intelligence, en fait, en s'incarnant, en fait, on la capitalise, en fait. Et moi, je devrais plutôt le dire la semaine prochaine, mais en fait, quand j'entends intelligence dans ce cas de figure, moi, je le substitue plutôt à éveil, champ de conscience, élargissement de champ de conscience, en fait. Parce que pour moi, intelligence, c'est encore très réducteur du futur ancien paradigme. C'est encore cette notion de résultat, de performance, de winner, de warwinisme, comme je l'ai baptisé, warwinisme. C'est l'espèce de bataille de compétition aveugle, sans foi ni loi, alors que peut-être on en viendra à comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a aussi plus une collaboration qui est invitée à faire. Et l'émancipation, l'éveil, entre guillemets, ou l'intelligence, quand quelqu'un est épanoui intérieurement, eh bien, il a plus tendance à s'intégrer de manière plus harmonieuse dans un collectif. Quand le collectif est harmonieux, eh bien, il n'y a plus tendance à ce que l'individu... En fait, il y a cette espèce toujours de résonance entre le micro et le macro. C'est ça qui est magnifique. C'est un accordéon, en fait, et qui nous joue une musique délicieuse et philharmonique, si je puis dire. Voilà, mais c'est à mon sens, c'est extrêmement important de le percevoir comme tel, en fait. Cette forme d'intelligence qui sera, à mon sens, aussi la civilisation du futur. Je vois même, quand on met dans l'intitulé du congrès, dans le travail, et moi, je pense que c'est même au-delà de ça. Quand je dirais le mot société, ce sera pour une société type, je suis président d'une société, mais ce sera la société aussi, la civilisation, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Et ça passe par toutes les échelles. Et on est invité à reprendre tout ça dans ce nouveau paradigme. Et toutes les rubriques sont invitées à être, voir si elles font encore sens, en fait, si elles sont intelligentes, parce qu'elles font encore foi aujourd'hui, sont toujours d'actualité, ou bien parce qu'on les a trimballées depuis des lustres, et parce que c'était comme ça, parce que c'était les règles, etc. Et c'est fascinant, en fait. Voilà. Merci, Aurélien.
On prend une ou deux questions encore. Quelles sont les compétences clés nécessaires pour une intelligence collective réussie au travail et comment les employés peuvent-ils les développer? Donc, il s'agit des compétences clés, en fait. Les compétences clés pour une intelligence collective réussie. J'y vais. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, intelligence intrapersonnelle, apprendre à être aligné avec soi-même, se comprendre, s'épanouir, s'éveiller, avoir une certaine, disons, conscience de sa propre intelligence personnelle pour pouvoir être d'abord en relation avec l'autre, le comprendre, lui permettre aussi un certain confort professionnel, tout comme disait Aurélien tout à l'heure, pour pouvoir aussi aller de l'avant. Donc, c'est intelligence intrapersonnelle, intelligence interpersonnelle, cette possibilité aussi de la flexibilité, l'intelligence émotionnelle, être empathique par rapport à l'autre. C'est vrai qu'en tant que leader ou chef d'entreprise, les résultats sont très importants, mais les résultats peuvent aussi être beaucoup plus vite atteignables dans un environnement où tout le monde travaille en intelligence collective. Donc, pour le leader ou la personne, donc c'est l'intrapersonnel, l'interpersonnel, la flexibilité, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, donc tout ce qui est aussi la relation à soi et la relation à l'autre. Oui, je voudrais ajouter aussi par rapport à Madame Mélévesbé, ce fait en termes de compétences, justement, on a besoin de toutes nos compétences, c'est-à-dire heart, on en a toutes, on a vraiment parlé assez de tout ce qui est technique et tout ça maintenant. Mais bien sûr, les compétences techniques sont toujours importantes, quel que soit le domaine. Après, les soft, bien sûr, quand on dit soft, on dit en intra par rapport à nous-mêmes, on dit en inter par rapport aux autres. Et ça, finalement, c'est les deux domaines de l'intelligence émotionnelle. C'est la connaissance de soi et la connaissance de l'autre, et la gestion de soi et de la gestion de l'autre. C'est, on est encore dans l'intelligence émotionnelle. Et bien sûr, on va ajouter à tout ça, c'est des compétences énergétiques. Et c'est ça. On va ajouter de l'éveil, on va ajouter le fait de monter en taux vibratoire, on va ajouter le fait que, vu que la touche là de la physique quantique, que vu que tout est énergie et information, vu que tout vibre, vu que nos pensées, nos émotions, nos actions, tout, notre énergie, tout ça, ça a des fréquences et ça se mesure avec la physique quantique. C'est pas comme la physique classique qu'on a eu quand on était au collège, que ça mesure la fréquence de l'onde lumineuse et ça mesure pas, mais on savait pas que les pensées avaient des fréquences qu'on pouvait mesurer. Mais maintenant, avec la physique quantique, même nos pensées, elles ont des fréquences qu'on peut mesurer. Et du coup, si on travaille sur tout ça, imaginez le potentiel de l'être humain s'il exploite vraiment toutes ses compétences, hard et soft skills, et surtout les compétences d'ordre intuition, imagination, innovation, inspiration, l'intelligence spirituelle, comment il peut monter en vibration. Et comme ça, bien sûr, automatiquement, c'est collectif. Parce que si c'est tout, puisque tout est énergie et information, automatiquement, quand je monte en vibration, je vais être hyper contagieuse, et tout le monde va monter en vibration, et ça va être hyper collectif. On ne va pas avoir que de l'argent, que de la performance. On va avoir de l'argent, de la performance, on va avoir de l'épanouissement, on va avoir la belle vie, quoi. Voilà. Merci, Sunda. Merci, Aurélien. Merci. On prend une dernière question parce que le temps est presque terminé. Avant d'annoncer la surprise qu'on a préservée pour les participants de ce webinaire. Donc, une dernière question. Comment une personne peut-elle naviguer au mieux d'une communauté à l'autre avec une contribution à l'intelligence collective bénéfique, à intelligence collective bénéfique, y compris au travail, nous prenant part à différents groupes distincts, entre parenthèses, son équipe, sa hiérarchie, la question est partie, voilà. Le CA, les équipes de collègues dans d'autres départements, les clients, les fournisseurs, en plus des différentes facettes, casquettes
que nous pouvons porter dans nos vies perso. Donc, comment une personne peut naviguer entre au mieux d'une communauté à l'autre avec une contribution à l'intelligence collective. En fait, moi, je pourrais mettre un mot là-dessus. Une personne peut être dans plusieurs groupes différents, disons, si on parle en général, et elle peut être bénéfique et à intelligence collective dans chacun des groupes si tout simplement cette personne est à sa nature, donc est elle-même et ne porte pas de masque, parce que nous portons des masques tous les jours et plusieurs masques par jour. Donc si la personne continue à rester elle-même, continue à croire à ses valeurs et ses principes et à les appliquer dans n'importe quel milieu et avec n'importe quel groupe, je pense qu'elle pourra naviguer facilement, même si les groupes sont différents, elle pourra naviguer facilement dans ces différents groupes. Voilà, je ne sais pas si... oui, Aurélien. Ben, en fait, moi, je voulais rebondir sur ça parce que ça, on en revient toujours à cette notion de l'intelligence et la capacité d'adaptation. Et puis aussi, en fait, si je rebondis sur l'ancienne question et reviens dessus, en fait, comment l'individu peut avoir un effet sur le groupe, ben, c'est un peu à l'image, hier, c'était la Saint-Valentin du couple. Beaucoup vont chercher la béquille vers l'autre, alors que théoriquement, quand on connaît un petit peu comment fonctionne l'univers du couple, eh bien, on a plus intérêt, entre guillemets, à être bien dans ses pompes, avoir fait le travail en interne d'introspection, etc., d'avoir un peu nettoyé tous les scories et tous les traumas pour justement s'insérer dans un couple qui va être beaucoup plus harmonieux plutôt que de chercher une béquille avec l'autre. Donc ça, je vais étendre un peu, si c'est une équipe de foot, excusez-moi un petit peu du parallèle, hein, on saute du romantisme au très terre-à-terre, bah voilà, vous pouvez être bon gardien, c'est pas vous qui mettrez les buts, hein. Mais chaque position est importante dans cette configuration, et c'est la même chose dans une entreprise. Après, il y a deux choses. C'est un, c'est aussi le choix des managers. Des managers, il y a des formations possibles, et puis il y a des interactions qui ne se font pas, tout simplement. Je reviens sur la question. Je pense qu'il est important d'avoir, c'est l'heure du choix aussi. Moi, je dis toujours à mes étudiants, alors évidemment, ils sont issus des plus grandes écoles de commerce au monde, etc., donc ils peuvent un peu se le permettre. Je leur dis aussi, hein, c'est pas parce que on va pas vous mettre le tapis rouge, mais l'heure du choix, ça veut dire aussi de pouvoir aussi refuser, même si je sais que de temps en temps, c'est alimentaire le travail, mais de refuser une société parce qu'elle ne correspond pas à nos valeurs, tout simplement. Il n'y a pas de honte à dire, voilà, je ne vais pas dans cette équipe, je ne vais pas dans ce groupe parce qu'il ne correspond, il ne coïncide pas avec mes attentes, etc. Parce que ça ne vibre pas, parce qu'énergétiquement, parce que ceci, parce que mon karma, parce que tout ça, quoi. Tout ça qui est relié, en fait, à tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'encore une fois, j'insiste, un, c'est le choix, et deux, c'est aussi à nous de voir qu'il peut y avoir des interactions qui se font ou pas. Il y a des couples qui se font, il y a des alchimies qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Hein. Il y a des divorces qui s'opèrent, et puis après, la personne pensait qu'elle n'était pas bien, etc. Et puis finalement, ça saute beaucoup mieux. Et de même qu'il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur pompe, qui ne sont pas bien dans leur boulot, puis quand ils changent, bah, finalement, ça se passe beaucoup mieux. Donc c'était très important, ça, de ne pas prendre les choses par défaut, mais de le faire sciemment, en adhérant, etc. Et s'adapter, c'est quand même toutes les limites. Hein. Ça veut dire aussi, on n'est pas... à mon sens, on n'est pas non plus obligé d'être dans cette mascarade tout le temps, de faire comme si, enfin, d'être hypocrite et d'être une autre personne. Hein. C'était Oscar Leroy qui disait « N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, c'est déjà pris. » Exactement. Bon, donc, il nous reste une minute avant la fin de ce webinaire. Je voudrais bien donc présenter à tous les participants qui sont encore avec nous, parce que il y a des participants qui sont partis déjà. Donc, en fait, on a voulu, à l'occasion de ce webinaire, offrir pour ceux qui veulent, qui voudraient donc s'inscrire pour le congrès, leur offrir une remise de 20% sur le tarif du congrès. Donc, je vais vous envoyer le lien dans le chat pour l'inscription. Et à travers cette inscription, vous allez trouver tous les détails sur le congrès, le programme, les intervenants, tout ce qu'il y a comme détails, les tarifs,
et notre contact aussi. Donc, celui qui a envie de se focaliser plus sur les thèmes qu'on vient de présenter et qui voudrait assister au congrès, en s'inscrivant, il suffit de nous envoyer donc un email pour nous dire que vous avez assisté à ce webinaire. On pourra le vérifier, bien sûr, parce qu'on a tous les contacts de tous les inscrits à ce webinaire. Et il pourra donc avoir une remise de 20% sur le tarif du congrès. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter avant qu'on termine ce webinaire? C'est bon? Donc, je vous remercie tous. Et je considère que c'est un échauffement, ce webinaire, avant le congrès donc, du 23 février 2023. C'est un jeudi à l'hôtel El Mouradi Gamart. Et j'espère que ça se passera aussi bien que ce webinaire-là. Voilà, je vous remercie merci énormément. Merci à vous. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Thank you.